Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour la luminosité. Il est 7h50, je suis arrivée à l'IFAS, on est vendredi. Je ne vous ai pas pris hier puisque j'ai passé une journée catastrophique. Catastrophique. Voilà, je ne suis pas là à la pole, je devais y aller, j'y suis pas allée finalement. En fait, je vous la fais courte, ce matin j'ai un oral qui se présente très très mal. Je vous avais expliqué, on est en groupe. Et comment vous la faire courte? Parce que je peux pas non plus trop divulguer de trucs parce que je suis en formation et que j'ai pas le droit de divulguer tout sur ma formation. Mais en gros, je vous ai expliqué, on a un dossier de patient, on a une thèse et en fait, il faut qu'on fasse un dossier par rapport à cette thèse et qu'on la présente à l'oral. Voilà. Et en fait, l'écrit hier, en fait, on avait de 8h30 à 17h pour faire tout l'écrit. Et ça s'est pas super bien passé. C'est pas facile de travailler en groupe. Et en gros, on aurait dû tout écrire en double, puisque nous, il faut qu'on ait un support et que notre référent aussi qui va nous évaluer à l'oral ait un support. Sauf que malheureusement, on n'a eu qu'un support à rendre. On n'a pas eu le temps de tout faire en double. Donc notre référent aura un support et nous, on n'aura rien à l'oral. Entre guillemets, en notes pour pouvoir présenter le projet. C'est comme si en gros vous vous présentez à un exposé et que vous n'avez pas votre exposé dans les mains, mais que la personne qui est devant vous a vos notes. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça se présente très très mal. Je suis en PLS, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai essayé de mémoriser au maximum pour dire du par cœur, sachant qu'on n'a rien. En fait, à 17h, vous devez rendre tout. Votre dossier, votre brouillon, vos sujets. En fait, on repart à 17h sans rien pour pas qu'il y ait des groupes qui soient avantagés et qu'il y en a d'autres qui révisent et d'autres pas. Pour que ce matin, en fait, à partir de 8h20, quand ils commencent les oraux, que tout le monde soit à la même enseigne et qu'ils sortent notre dossier qu'à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai pas dormi, j'en ai mal au ventre, je suis pas bien. C'est pas facile de se dire que, voilà, peut-être que je vais louper mon partiel ou que je vais aller à un rattrapage. Tout ça par rapport à un travail d'équipe, alors que j'estime avoir fourni beaucoup de travail dans mon groupe et voilà, même mon groupe en lui-même, les filles avec qui je suis, pareil, mais pour qu'on arrive à pas rendre le travail comme il faudrait et que d'autres groupes y arrivent, on va pas se mentir, c'est qu'il y a un problème de cohésion d'équipe, de travail, de répartition des tâches, tout ça, et j'ai pas envie d'aller au rattrapage. J'ai pas envie de louper mon partiel. J'ai pas envie d'être dépendant d'une note par rapport à un groupe, en fait. Et c'est ça le plus difficile quand on passe ce module-là. Donc, je suis hyper défaitiste puisque je sais très bien qu'on part avec une énorme épine dans le pied. Et que je suis dépendant du travail de mes collègues, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé jusqu'à tard hier soir à réviser, réviser, à essayer de me mémoriser au maximum, à écrire pour qu'à l'oral, en fait, je puisse quand même présenter quelque chose et dire la situation que je dois présenter. Mais par contre, en contrepartie, je sais pas ce que mes camarades, elles auront fait à côté et si elles auront joué le jeu et qu'elles auront autant bossé que moi. C'est pour ça que c'est très difficile parce qu'on est dépendant de tout le monde dans ce genre de module, de partiel. Et voilà, donc écoutez, je vous dirai, je suis censée sortir à 9h30, 10h moins quart, puisque je suis dans les premières à passer, par chance. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous reprends après. Bon allez, je vous ai remis sur votre socle. Je vais mettre ça, vous voyez ou pas là? Ici là, je vais retourner vous, enfin vous tourner le retour de course. Bon, on est passé à l'oral, on ne l'a pas. Voilà, on va au rattrapage qui aura lieu au mois de février. Voilà, je crois qu'il y a pas grand-chose d'autre à dire. Je suis juste dégoûtée, mais voilà. Faut que j'encaisse le truc, c'est tout. Faut que j'encaisse le truc. Voilà. Je vais pas dire le pourquoi du comment, on l'a pas, comment ça s'est passé. C'était un travail de groupe, le groupe l'a pas, point. Voilà. Je suis juste triste et dégoûtée parce que je sais que j'ai plutôt bien travaillé, que j'ai fait mon maximum, mais voilà. Ça tombe en février en plus pendant le stage. C'est pas une période qui va m'arranger pour repasser un partiel. Bref, voilà.
Voilà. J'attends toujours la réponse du partiel du module 1 et 2. Donc là, c'est pareil. J'espère de tout cœur que je vais l'avoir. Parce que si je ne l'ai pas celui-là, bah là, par contre, ça va être l'hécatombe dans ma tête. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Faut que je me remotive aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, il y a les minous qui arrivent chez nous. Donc j'ai plein de choses à faire avant leur arrivée. Donc faut que je me dépêche. Ça va me faire du bien, je pense, de les voir quand même, parce que là, le moral, comment il en a pris un coup. Là, franchement, c'est... Il manquait pas mieux que je loupe un persil. Non, déjà, tu es quelqu'un qui n'aime pas l'échec. Parce que je me donne trop à fond dans tout ce que je fais. Surtout mes études, je suis tellement passionnée par ce que je fais que d'avoir un échec là-dedans, pour moi, c'est comme si j'avais fait un truc professionnel et qu'on j'avais fait quelque chose de mal, hein, c'est la même chose. Donc voilà. Ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Écoutez, c'est comme ça. Allez, je vais reprendre mes esprits parce que pour retourner le retour de course comme ça, c'est. Ça va pas vraiment être évident. Bon, faut vraiment que j'essaye de me motiver parce que. J'ai pas de motivation. Franchement, j'arrête pas de chialer. Il y en a, ils vont se dire. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre, mais moi, je m'en fous si vous comprenez pas. Moi, mon module, si je valide pas mon module, je valide pas mon année, je suis pas diplômée à la fin. Pour moi, même si on sait qu'il y a un rattrapage, je m'en fous du rattrapage, je le voulais et puis c'est tout. Ce putain de module. Bref, du coup, vous voulez voir les dessous? J'ai mis un bot de jogging et je vais préparer le dîner pour ce soir, ça sera fait, comme ça on sera tranquille. Outre les haricots verts que je vais faire après, par la suite... ce soir, je vais faire le poulet, je vais faire les tomates à la provençale et je vais commencer aussi à faire tout ce qu'il faut pour demain soir pour qu'on soit tranquille, pour que je puisse tout faire en avance. Donc je vais faire ça et la soupe. C'est ça aussi que je voulais faire. Je vais faire la soupe. Donc, je vais prendre le poireau, courgettes, carottes et voilà. Il y aura une petite soupe aussi pour ce soir. Voilà, je vais préparer un peu en avance. Ça fera du bien. Allez, regardez, j'enfourre ça. Petite tomate à la provençale, alors rien de compliqué, vous coupez des tomates en deux, vous mettez un peu d'huile d'olive, du persil, de l'ail, moi j'ai pris de l'ail comme ça là, du sel, et je mets un peu de chapelure dessus, et vous y mettez au four pendant 20-25 minutes, à 180 degrés. Pratique le bisef, du coup j'ai pour demain soir, j'ai déjà déqueté là, je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est ça, tous les trucs des crevettes là, et du coup je les mets sous bisef comme ça, pour demain soir ça sera déjà fait. Bon allez, c'est parti, je vais faire quelque chose que Vincent adore que je fasse. Hein mon mec? Quoi? Je vais faire des Saint-Jacques au Porto. Ça pue qui dit. J'ai mis mon petit tablier là, magnifique. Donc j'ai fait décongeler mes Saint-Jacques qui sont surgelés, hein. Je les ai achetés surgelés pendant 2 heures dans un mélange de lait et d'eau. Maintenant je vais les essorer dans du sopalin correctement. Et puis je vais du coup les faire cuire. Donc c'est une recette très simple. C'est juste la cuisson qui est un peu particulière puisque je les fais en deux temps. Je vais vous faire voir. Et après en fait vous faites gratiner le tout au four. Et une fois que c'est gratiné au four en fait après je vais y garder et je vais y mettre sous bisave jusqu'à demain soir. Et comme ça après j'aurai plus qu'à y faire. Attendez, je vous montre un peu, je trouve que vous êtes bas. J'aurai plus qu'à y faire à peine réchauffer au four et j'y mettrai dans des petites verrines et voilà, moi j'adore. Après les chats aussi apparemment, non ils sont et voilà,
Voilà, je montre pas trop mes chats parce qu'on peut encore dire que mes chats ils traînent sur le plan de travail et gnagnagna et comme si j'étais une meuf en manque. Ouh, j'avais failli un petit faire un Roland. En manque d'hygiène. Bref, la première étape, je vais faire revenir mes Saint-Jacques à la poêle avec une noisette de beurre à feu vif. Et après, pendant 10 minutes, je vais les recouvrir à feu doux et je vais les faire revenir dans du Porto. Il faut un verre de Porto généralement pour la quantité de Saint-Jacques que j'ai mis. Si jamais la recette vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je la referai parce que là, j'ai pas trop le temps de tout vous détailler, mais je pourrais la refaire cette recette. Je l'avais faite une fois à Manon, elle avait adoré. Voilà, je la refais aujourd'hui. C'est une bonne recette que j'ai et j'adore la faire. Donc moi, mon astuce, c'est quand même de prendre un plat en verre. En dessous, je mets deux trucs comme ça de rangée là, de sopalin, d'essuie-tout, pardon, si on ne veut pas citer de marque. Et en fait, après, dedans, vous voyez, je mets mes petites Saint-Jacques et j'en remets deux par-dessus. Bon, là, vous voyez, ça rend pas mal d'eau. Donc quand ça rend de l'eau, comme ça, je vais prendre un truc, enfin un truc, comme une passoire. Je vais enlever l'eau, je vais remettre une noisette de beurre et je vais les faire dorer sur l'autre côté, comme ça. Et je vais saupoudrer de farine et je vais laisser revenir 2 minutes. Hop, du coup j'ai baissé le feu, j'ai mis un petit peu de crème de coco, un peu de porto et là je vais y mettre dans l'autre plat pour les faire gratiner. Yes. Du coup, voilà, je vais y faire revenir et je vais y faire à peine cuire et comme ça demain je n'aurai plus qu'à y faire réchauffer. Hop, du coup je suis en train de faire une pizza pour demain soir, comme ça elle sera prête. De toute façon c'est quelque chose qu'on mangera plutôt froid donc voilà, ça dérange pas si je la fais la veille, je la protégerai bien. J'ai mis du chorizo, de la ricotta, du chèvre, du jambon, de la mozzarella, comme ça là, attention, hop là, envers du décor, hein, voilà. Et dessus vous pouvez voir du coup il y a un petit filet d'huile d'olive et c'est ça, c'est un petit filet d'huile d'olive avec de l'arôme de truffe noire, voilà. Bon, mes Saint-Jacques sont prêtes. Les tomates aussi, et j'ai plus qu'à faire cuire le poulet pour ce soir. Et la petite pizza, elle est prête aussi. Du coup, j'attends ma tribu et je vais terminer et conclure le vlog d'aujourd'hui ici. Je vais vous le monter là et vous le mettre en ligne directement. Je vais réouvrir un vlog du coup avec bien sûr l'arrivée de bébé et voilà, vous vloguez le reste. Mais c'est surtout pour que je puisse en fait vous exporter ça et vous le mettre en ligne. Et que ce soir, vu que normalement les minous ils devraient arriver sur le coup des 8h30 je pense. Quand ils vont arriver, on va manger, je vais m'occuper de mes invités hein, forcément. Et après j'aurai pas je pense le courage de remonter un vlog et d'inclure encore d'autres scènes. Donc voilà, je préfère clôturer la mettre en ligne, profiter des minous ce soir et puis ouvrir mon vlog tout à l'heure et le mettre en ligne demain soir avec la journée de demain. Ça va être super chouette demain, on a réservé plein de petits trucs pour les bébés, pour les bébés. Oh, je suis fatiguée, hein, pour les minous. Et puis voilà, puis je vous avoue que là tout de suite c'est, j'ai envie de vous vloguer, de vous filmer, de vous faire partager tout ça parce que malgré tout la vie elle continue, mais j'ai un coup au moral. Voilà, là ce qui pourrait à la rigueur me remonter le moral, c'est d'avoir le résultat du module 1 et 2, puisqu'on l'a toujours pas eu, et de voir que je suis admise me permettrait de souffler au moins sur ça. Et ça me ferait du bien, je ne peux pas vous le cacher, mais là tout de suite, j'arrive pas à relativiser, je suis dans un bad mood, il faut que j'encaisse le truc. Donc de les voir, ça va me faire du bien, et puis même vis-à-vis de ma copine Manon, elle a eu une mauvaise nouvelle aussi de son côté aujourd'hui et ça me fait de la peine pour elle. Enfin bref, c'est une journée, j'ai l'impression complètement démesurée, hors du temps, interminable. Et voilà, donc c'est pour ça, je clôture là, je vous ouvre un vlog tout à l'heure et puis comme ça, j'aurai pas le tout de me dire, mince, faut vite que je monte mon vlog ou autre. Voilà, je vais profiter des minous et puis je vous partagerai tout ça demain. On fait comme ça? Ça vous va? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Pourquoi mes habits de cérémonie sont sous le tuyau d'arrosage? Ils sont dehors.